Bonjour tout le monde, c'est Tout en Patimo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le tuto du cupcake. Alors vous aurez besoin de pâte ocre numéro 17. Ensuite, vous aurez besoin de pâte translucide rouge numéro 204. Vous aurez besoin d'un outil sans dents, couteau, scalpel, voilà. Vous aurez besoin d'un moule d'une base de cupcake, petite ou grande, selon votre choix. Moi, je vais choisir plus grand. Alors, d'un coulis, comme ceci, et d'un moule framboise. Alors, moi, mon moule, je l'ai fabriqué moi-même, parce que, alors, vous allez voir. Bon, vous allez commencer par faire une boule ocre, comme ceci. Vous allez venir la placer dans le moule et vous allez l'aplatir en forme de dôme. Il n'a pas besoin que ce soit très épais. Voilà, comme ceci, vous aplatissez bien et vous faites une sorte de dôme. Alors, vous allez prendre la brosse à dents. Voilà, comme ceci. Ah oui, vous aurez aussi besoin d'une brosse à dents. Et vous allez venir texturer le biscuit. Vous pouvez aussi faire l'effet cuit. Mais moi, je n'ai pas le temps pour la vidéo parce qu'elle va durer trop longtemps. Alors, vous prenez un pinceau, des pastels sèches. Et vous tapotez le dessus du dôme. Vous voulez faire les filles. Alors voilà, là, ça, vous voyez que c'est bien texturé. On met la brosse dans un coin. Alors vous allez venir démouler, enfin, essayer de démouler. Comme ceci, nous allons démouler les bords. Voilà, comme ceci. Alors voilà. Ça fait ceci. Alors, vous allez venir avec votre coulis de couleur comme vous voulez, vous allez venir en prendre un petit peu avec un cure-dent. Alors, vous allez venir en mettre au centre, ceci, au centre du biscuit, vous allez venir étaler comme ceci de chaque côté. Vous allez commencer d'abord par former 4 triangles. Ceci. Mince, pardon, je m'en suis mis sur les doigts. Vous allez faire partir de chaque côté du coulis. Vous pouvez choisir de faire un coulis fin ou épais selon votre guise. Alors moi, j'ai besoin d'un coulis assez épais car ma framboise sera assez grosse et il ne faut pas que on se perde. Voilà. Alors voilà. Vous allez prendre votre pâte rose translucide comme ceci. Vous allez en prendre. Alors je mets ça de côté. Vous allez venir en prendre alors à peu près. Comme ceci. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. De toute façon, après, on viendra la recouper. Hein, car elle sera sûrement trop grande. Là, comme ceci. Là. Alors, moi, elle est un petit peu sale. Mais bon, c'est pas grave. Alors, désolée pour mes ongles. Je n'ai plus le temps d'enlever mon vernis. Voilà. Alors, vous allez malaxer. Et vous allez venir faire une boule. Ce sera une framboise assez petite. Mais bon. Alors pour construire votre moule, vous prenez de la pâte silicone, vous mélangez les deux et vous mettez votre framboise à l'intérieur que vous deviez mouler. Alors moi j'ai déjà fait mon moule. Mais bon, la framboise elle ne va pas être aussi grande bien sûr. Alors ça dépend, vous voulez une grosse ou une petite framboise. Vous voyez bien pour l'intérieur. Là,
l'intérieur, bah, c'est une framboise, quoi. Normal. Alors, voilà. Alors, je vais mettre ma pâte rose. Ma pâte rose que j'ai bien réchauffée pour mieux la travailler. Je vais la mettre dans le moule. Alors, donner une forme plutôt allongée. Je vais venir la mettre dans le moule. Et je vais venir la former comme ceci. Très bien. Pour mettre les côtés pour bien faire un effet framboise. Là, vous voyez? Ça fait un effet framboise. Voilà. Moi, elle... je vais un peu la couper. Elle est un peu trop grande pour moi. Je vais venir placer ma framboise sur le dessus de mon cupcake, comme ceci. Et là, vous allez bien appuyer pour faire ressortir le coulis. Et si vous ne trouvez que vous n'avez pas assez de coulis, vous venez en rajouter, comme ceci. Alors, voilà. Ça, c'était le tuto du cupcake, comme ceci. Alors, maintenant, vous l'enfournez à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après, votre cupcake est fini. Bon, moi, je vais un petit peu l'améliorer parce que là, je rajouterai un petit peu de coulis, pardon. Bon, on se dit à bientôt pour de prochains tutos. Bisous!